Wow! Parfois, quand on parle de Dieu, je ne crois pas, mais on croit plus à la magie. Cette vidéo va vous permettre de bien considérer Dieu et de le respecter comme il se doit, un truc hors du commun va se passer ici. Comment les gens font pour se suspendre comme ça? Ah! Les gens sont en lévitation ou ils prennent des bois pour se positionner juste là, comme ça, dans les airs. Les risques hors du commun. Par contre, il y a certaines personnes qui décident d'utiliser leur intelligence. Mais une intelligence pas comme les autres. C'est que si nous sommes en famille ici, si on se voit, bonjour les frères, c'est bienvenu. Nous allons voir des choses qui font parfois très rire. Bon, suivez-nous, allons au studio. Ah! J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs, et que votre famille se porte en merveille. Nous sommes ici, si on se bat, c'est la famille. Vous savez que chez nous, nous apprenons les vrais, chez nous, donner de vrais conseils. Mes frères et sœurs, ne faites jamais ça chez vous. Regardez même ça. Que vous voyez le corps, mes frères et sœurs? Regardez très bien. Regardez vraiment très bien. Que voyez-vous? On voit dans la première image qui est ici, un homme qui est en train de bouillir de l'eau. Bon. Qu'est-ce qu'il se prépare à faire avec cette eau? Bon, vu la manière dont il est habillé, il a bien serré, on peut dire que c'est juste pour aller se laver qu'il a fait ça. Et de l'autre côté ici, qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien juste là où se trouve la flèche. Là où se trouve la flèche, on voit un homme qui se tient sur un bon bout de combien de mètres, je ne sais même pas. Un truc de ouf, un truc hors de commun. Et il est juste là-bas, il est juste là-bas, en train de faire quoi? Nous allons tout découvrir. C'est que ce qu'il est en train de faire ressemble un peu à ça. Ici, la différence entre cette personne qui est là et ici, c'est le bambou. Le bambou n'est pas ici. Cette personne a tout simplement fait des prières mystiques, dont elle-même, elle seule a le secret pour être en haut. Comment ça étonne les gens? Ils se sont mis à filmer ça. Et le résultat est ici, sur notre bonne. Et voici ce que ça donne. Comment fait-il pour être juste là en haut comme ça? C'est ce qu'on appelle le mystère et le mystère d'Afrique. Ce sont des choses hors du commun quand même. Qui le soutient en l'air là-bas? Est-ce les démons? Ou le diable lui-même? Comment font-ils pour faire les trucs pareils? Moi, je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer cela? Vous savez, si on se prend ici, il y a des gens qui sont trop intelligents. Ils connaissent tout. Ils connaissent même tout, même plus que Dieu. Là où Dieu s'arrête, eux, ils continuent à avancer. Bon, ok, dites-moi ce que ça veut dire. Ça aussi, un truc hors du commun. Regardez. Il y a juste là un homme. Et cet homme, il est en haut comme ça. Regardez les gens qui sont en bas. Les gens qui sont en bas, ils sont en train de le regarder. En train de faire ses business. Juste en haut ici. Ah! Que va-t-il se passer? Regarde très bien. Les gens font parfois des choses inutiles. Des choses inutiles. Pendant qu'ils sont en train de faire ces trucs de ouf, ils vont se retrouver à terre sans le savoir. Ouh! Boum! Vous avez vu ça? Est-ce que vous voulez que vous fassiez un dessin? Ok, nous allons vous remontrer ça encore. Ah, il y a des choses inutiles sur la terre. Même Dieu nous a prévenu, nous a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, mes enfants. Écoutez-moi, Pierre. Les gens disent, ah non, Dieu, tu parles beaucoup. Laisse-toi faire ce qu'on a besoin de faire. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Regardez. Voici là où il était. Et les gens l'applaudissent, hein. Oh, tu as force, c'est bien, faut continuer. Et regardez le bois, la taille, la hauteur. Que va-t-il se passer? À la surprise générale, voici un truc énormissime. Il est tombé, c'est parce qu'on a mis pause. Regardez. Ah, regardez. Pouh, cher monsieur, où vas-tu? Boum. Le bois là t'as fait quoi? Le bois là t'as fait quoi? Le bois était tranquillement dans la forêt. Tu allais le couper, tu l'envoyais, tu dis, ah mon bois, c'est comment? C'est joli.
Je vais aller montrer aux jeunes ce qu'on sait faire. Peut-être moi aussi, je te résous des problèmes. Parfois, les gens font des trucs bizarres et regardez comment les gens sont agités maintenant. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Qu'est-ce que les gens font souvent? Qu'est-ce que les gens font souvent? Moi, je ne comprends pas. Tu cherches à nous faire rire ou bien c'est quoi? C'est que j'ai de magie, ça. Tu n'as pas vu pour ton ami, lui, il est suspendu comme ça. Il est dans les airs là-bas, personne ne l'attrape, rien ne le retient. Mais ne faites pas ça chez vous. Parce que pour pouvoir faire des trucs pareils, les gens vont faire des pactes avec les démons. Et ce sont les démons qui les attrapent. Comme les démons sont les esprits, là, on ne peut pas les voir. Mais le jour, les démons vont dire, ok, mon ami, le temps est expiré. Si tu es en haut, et puis le temps est expiré. Aïe, 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 aïe. Faut pouvoir quelque chose en bas. Parce que si c'est tombé, ça risque d'être chaud. Dans la seconde, on le voit maintenant, vous allez comprendre. Un homme veut nous montrer qu'il est trop pressé pour se laver et qu'il est trop intelligent, mais peut-être même plus intelligent que Dieu. Regardez même ça. Il est ici et il veut se laver. Il a mis le truc là sur le feu. Même si c'est vous. Vous avez mis une grosse mamie comme ça sur le feu, à côté de l'eau. Vous savez, en Afrique, souvent, quand il fait froid, il faut bouillir un peu d'eau. Bon, il faut rendre l'eau tiède. Non, lui, il veut enlever l'eau là, du fourneau. Bon, il faut enlever de l'eau pour se laver. Ou bien, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui. Mais regardez, vous allez m'expliquer vous-même. Regardez très bien. Il prend un ventilateur pour essayer de réduire la fumée. Il y a le feu en bas. Juste là, le feu. Le feu en bas. On voit même la vapeur. Et lui, il veut prendre un traitement pour se laver. Et maintenant, c'est peine à regarder. Quand on vous demande de prier, demandez à tout le monde de se retirer parce que c'est de la blague. Mais ça, c'est juste une vidéo pour faire rigoler les gens qu'ils ont juste fait. C'est pas réel. C'est juste une vidéo pour rigoler, voilà, pour faire rire les gens. Voilà. Regardez, de l'eau chaude. Il va même tomber là-bas, même comme si. Pour nous montrer que ça l'a même brûlé. Ah, ça m'a brûlé, pardonnez. Ouh, venez me secourir. Mais moi, je n'ai rien compris, franchement. De tout ce que nous avons vu là, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé avec le bois de ce gars-là. Avez-vous vu ça? Ou vous voulez que je vous montre encore? Ok, regardez même ça. Ils sont en train d'applaudir. Le public est chaud. Cet homme en haut aussi, lui aussi, il a reçu tout le pouvoir. Et il veut montrer à tout le monde ce qu'il est capable de faire. Et à sa surprise, à la surprise générale, il va se retrouver quelque part tout de suite. Vous savez, il ne faut jamais se presser dans la vie. Regardez où se trouve. Où il ne doit pas se... Et tout le monde court. Bon, laquelle de ces vidéos vous a le plus marqué? En tout cas, moi, j'ai passé mon temps à rire. Qui vous envoie là-bas? Forcé, est-ce que c'est forcé? Dites-le-moi. Ah, Seigneur mon Dieu, pardon. Faut donner de l'intelligence, ça va finir. Bah, ok, dites-moi ce que vous en pensez et expliquez-moi comment ces gens arrivent-ils à se tenir sur des bois à des hauteurs comme ça, ou bien comment cet homme-là. Dans la première vidéo, arrive-t-il à être suspendu sans même quelque chose pour le retenir? Sur les mystères d'Afrique. Et en Afrique, il y a tas de choses. Si vous voulez, un jour, si Dieu permet, je vais vous montrer des choses qui se passent ici. Là même, vous allez voir ma caméra. Je vais vous montrer ça. Ça risque de vous surprendre quand même. Est-ce que ça vous a fait peur? N'ayez pas peur! Nous sommes ici, Seigneur, et Dieu est avec nous. Mais ne faites jamais ça chez vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, elles veulent regarder la vidéo là, et puis elles regardent, ah, bien sûr, bon, je vous ai montré un nouveau truc. Attendez, on va l'essayer. Faut jamais aller essayer. Dans la vidéo précédente, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Allez la regarder. Bon, cette vidéo va partir ici. Vous allez découvrir. Un homme a finalement attrapé sa femme avec un autre. Et vous allez voir sa réaction. Il avait même fait une prière mystique sur sa femme. Elle ne savait pas. Ça a collé l'homme et le gars.
L'homme et la femme. Là-bas, sur le lit. C'est dommage quand même. Bon, allons voir ça, allons voir ça. Mais soyez prudents. Ayez 18 ans d'abord. C'est parti.